Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on est ensemble là pour le mois de décembre 2023. On va aller décortiquer le mois avec la triade pour les énergies, le petit le normand pour le concret, ce qui va éventuellement se passer euh, concrètement sur votre mois de décembre et un conseil avec le Ochozen Tarot. Sous la vidéo vous avez toutes mes infos euh, pour me joindre, les ateliers, les dates, euh, les événements que j'organise et tout ça. Et pour les séances perso bien sûr. Sinon moi je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, c'est un vrai soutien pour la chaîne, je le dis et je le répète. Et puis vous pouvez aller regarder aussi votre dans les playlists, vous avez euh, tous les autres signes qui vous sont disponibles. OK C'est parti, on se retrouve tout de suite pour les 12 signes. Les amis, je vous fais un petit rappel sur les dates de début 2024. Salut les sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. On y va, euh, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous sur le mois de décembre 2023, dernier mois de l'année Tac, tac. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter tout ça au niveau de l'énergie du mois de décembre, c'est comme s'il était nécessaire pour vous euh, d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose, il y a un sujet sur lequel vous devez mettre des choses au clair. Vous devez vraiment, vraiment arrêter euh, de vous voiler la face, arrêter. Euh, c'est comme si, par moment, je mets le masque à la fois pour m'adapter à quelque chose, mais euh, par moment, je mets le masque... Euh, euh, sur la situation, c'est-à-dire même sur l'autre, le côté non, mais tiens, là, c'est bon. Je, je, oui, je sais qu'il y a un masque, mais c'est pas grave, je vais m'en je vais, je vais accommoder. Et là, on dit, mais attends, là, ça va pas. Il le, le, y, 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 y a vraiment un point d'orgue là sur le mois de décembre pour les Sagittaires qui va être de. Si tu veux que les choses avancent, si tu veux que tu puisses savoir exactement où tu vas aller, à un moment donné, il faut enlever euh, ce qu'on appelle les œillères, hein, ce qu'on met sur les chevaux. Si tu veux voir le chemin, il te faut ouvrir plus grand ton champ de vision. Il te faut arrêter d'avancer. Euh les yeux bandés, en fait, d'une certaine manière. Il y a des choses que vous percevez, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, et c'est cette boussole intérieure qu'il va falloir suivre euh, sans euh, rajouter euh, euh, des salamalèques par-dessus ça. Alors, il n'y a aucun jugement, vous le savez, dans, dans, dans mes guidances. Simplement... Euh, voilà, c'est comme si on avait englobé une situation euh, harmonisé tant bien que mal quelque chose avec quelqu'un ou, 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 ou une situation hein, tout bonnement. Euh, et ça ne va pas comme ça. on a envie d'avancer, on a envie de se positionner, on a envie de savoir où on va et pour ce faire. on va ouvrir les yeux, on va ôter tous les masques de soi et des autres. voilà, il y a des choses qui sont pas. Euh, voyez, il y a des choses qui ne sont pas verbalisées. Ou quand elles sont verbalisées, elles sont fausses. Il y a, il y a des non-dits, euh, il y a des choses qui sont par accord entre ce qui est la réalité et ce qui est de l'ordre du fantasme, des projections ou de la mascarade. Euh, ça peut être dans le, dans le travail hein, qu'on qu qu a des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui... Euh, euh, J'aime pas du tout l'expression qu'on vient de m'envoyer. Donc, euh, du coup, euh, qui, 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 qui vous disent... A, Alors qu'ils pensent B, qui vous font miroiter peut-être euh, un poste, une augmentation, alors que non. Euh, et vous, vous ou alors vous avez envie de partir, on vous retient, mais pas forcément avec euh, les, les, euh, la rémunération qu'on qu vous fait miroiter. Enfin, il peut y avoir un peu des, des, des choses un petit peu comme ça qui sont que euh, du coup vous ne savez pas trop quoi choisir parce qu'en attendant on vous retient. Ça peut être dans une situation sentimentale, on vous retient en Vous faisant croire que, mais oui, je vais peut-être la quitter ou le quitter, alors reste et mais ou alors euh, je te retiens parce que je, je, je te fuis, alors du coup, tu me cours après. Euh, mais tout ça, c'est des jeux, c'est des jeux euh, de pouvoir que ce soit dans le travail ou dans le ou dans l'émotionnel, hein, parce que ça peut être avec un parent, un proche qui vous promet mon émerveil qui te dit que peut-être ça. Vous voyez, si c'est un proche ou même un enfant, un parent qui te dit, je sais pas, moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je vais m'occuper de ça, et puis comme ça, tu n'auras pas à y penser, je vais prendre la responsabilité, mais en vérité, et vous êtes là, mais oui, t'es sûr, bah oui, parce que si, si tu le fais, ça me permet de faire autre chose. Et en fait, la personne ne le fait pas et vous vous retrouvez coincé à pas pouvoir avancer. Il y a vraiment un truc qui va être de, si vous voulez que vous puissiez avancer sereinement, là, il euh, va falloir mettre les choses au clair avec les gens. Vous voulez de moi dans cette, dans, dans, dans cette entreprise vous voulez, vous voulez de moi à ce poste Ok, ça, ça, ça. Je, sinon, je ne reste pas dans des conditions pareilles. Euh, tu veux t'occuper euh, de telle et telle euh, responsabilité Ok, mais occupe-t-en, sinon je me casse. Il euh, y a un peu des choses comme ça, euh, et pareil émotionnellement. C'est euh, maintenant, si tu veux de moi, tu me le dis. Sinon, ben, ça passe. Je, je trace ma route, en fait. D'accord Arrête de me faire miroiter. Miroiter. Bon, c'est comme si on vous faisait miroiter un truc et que, et que du coup, vous saviez plus quoi faire, quoi choisir. Mais vous allez mettre au clair les choses comme ça, les sagittaires. Allez, maintenant les sagittaires. Alors, au niveau central, voilà, vous avez un choix à faire. Hein, vous avez vraiment un chemin à prendre. Maintenant, on va regarder. Moi, voilà, vraiment, j'ai l'impression. Écoutez, j'aime pas dire des choses comme ça, mais bon, dans les énergies du mois, c'est un peu ce qui se passe. On, on fait un peu... Euh, l'état des lieux des choses et puis et puis on voit et on voit ici qu'il y a des gens qui qui, qui sont pas honnêtes hein, qui sont pas honnêtes tout simplement je veux dire on va pas se raconter une histoire moi pour moi il y a des il y peut-être des situations dans lesquelles vous êtes où, où les personnes euh, ce n'est pas qu'elles sont méchantes ou, ou, ou qu'elles vous veulent du mal mais ce n'est pas honnête Ils savent pas ce qu'elles veulent peut-être ces personnes en tous les cas euh, c'est pas... Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez non plus, qu'à un moment donné aussi, il va falloir être un peu plus honnête avec vous-même. Hein. Ça peut être vous, hein. Encore une fois. Allez, on pose les cartes et je vous raconte. Les Sagittaire. Décembre. Oups. Le pied photo. Sagittaire, donc euh, au centre, préoccupation principale, vous, peu importe. Mais en tous les cas, la, pré la, pré la préoccupation principale réside ici dans le fait de devoir faire un choix, de, de savoir où on va. D'accord Et dit aller. OK Le chemin, le cavalier, on y va. Il y a vraiment. Alors là, on est dans des aspects plutôt passés, présents, futurs. C'est comme ça que j'ai fait ma convention et je le fais en intuitif après. Euh, donc qu'est-ce qu'on a Ici, on a des éléments au niveau euh, des, des passés proches, hein, de, de, de personnes, situations louvoyantes, pas très claires. C'est un peu sournois, il y a quelque chose de sournois. Des gens euh, que vous voyez peut-être fréquemment, des gens que vous rencontrez euh, régulièrement. Euh, souvent, ouais, il y a vraiment une notion de souvent, euh, et qui gravite autour de votre couple ou dans votre couple. Mais ici, il y a du monde. Hein. Il y a du monde où il y a peut-être des gens euh, qui, euh, qui sont dans votre environnement proche, euh, auxquels vous attachez de l'importance, euh, qui pèsent un peu sur votre relation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ne voient pas ça d'un bon oeil, euh, qui ne voient peut-être. Ici, il y a une relation ou une association. Ça peut être au niveau du travail également. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent également. OK euh, il est possible aussi qu'il y ait un phénomène ici de, euh, de tentative de séduction, euh, peut-être, euh, qui... Voilà, on se voit souvent, on badine un peu, euh, euh, mais au niveau de l'engagement, peut-être que c'est moins certain. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un badinage... Je... Et mais au niveau de l'engagement, on est moins, on est moins certain. C'est pas, c'est pas clair, quoi. Ça pèse un peu le badinage, le flirt pèse un peu sur l'engagement. Du coup, vous, vous savez peut-être pas trop comment euh, vous diriger avec tout ça, parce que c'est bien joli de flirter, mais euh, là ici, pour moi, le cavalier, il attend de savoir quel chemin vous allez prendre. Hein. Pour le moment, c'est, c'est, on, on, on observe. Pour moi ici, la tour me montre une, comme une tour de guet. On observe voir un petit peu les mouvements du serpent. On essaye de voir un petit peu comment ça va se tramer. Donc, vous êtes vachement à, à regarder ce qui se passe. Mais euh, moi, là, je, avec euh, la verge, hein, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment avoir besoin de... de, de pas de lui mettre des coups au serpent, mais d'une certaine manière, c'est de... Si, de le chahuter, de faire en sorte de, de voir réellement ce qu'il ce qu ou elle veut, que ce soit quel que soit le domaine... Hein. Il euh, y a vraiment un truc où on, on va essayer de le mater pour voir un petit peu exactement de quoi il s'agit, comme si on voulait, euh, euh, voyez, je, moi je vois l'image des, des grands, des grandes de cravaches euh, qu'on utilise avec les chevaux uniquement pour euh, les stimuler ou les rediriger, mais de loin, hein, sans les toucher. Donc il euh, y, y a un peu de ça, il y a un peu un côté, euh, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, je te surveille, j ai, j ai, et, et euh, que, tu sois, que tu sois dans le monde du travail ou dans mon monde personnel, je, je, voilà la situation est pareille, je te surveille parce que selon, selon ce que tu vas avoir comme réaction, je vais y voir beaucoup plus clair et ça va me permettre moi de m'avancer, de prendre ce cheval et de m'avancer vers toi pas vers toi je ne sais pas mais l'idée pour vous d'avancer il y a quelque chose qui, euh, qui vous stresse hein, quand même hein, parce que parce que en fait en même temps vous vous il vous, vous croyez en cette personne vous y croyez d'accord parce qu'avec l'étoile ici il euh, y a quand même une, euh, un rêve peut-être peut-être une illusion je ne sais pas elle est, est peut-être concrète euh, cette envie, ce... peut-être que vous avez raison d'avoir la foi euh, dans cette personne. Euh, ça, c il n'y a que vous hein, qui puissiez euh, le ressentir. En tous les cas, le fait euh, d'y croire vous stresse. Le fait de, en fait, si vous, vous avez peur de ce que vous allez voir, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si j'agite mon fouet et que je découvre euh, ce que cette personne... Est réellement, est-ce qu'elle veut réellement au-delà du, du flirt? J'ai peur de ce que je vais découvrir, et du coup, s'il le faut, je vais devoir partir, et ça, ça me stresse. Ok? Donc là, en gros, vous avez beaucoup besoin, vous, de retrouver une forme de stabilité, de vous rassurer, d'être sûr. Vous êtes en mode euh, je cherche à savoir la vérité, même si. Parce que là, les choses vous pèsent. Les choses vous pèsent. Il y a quelque chose qui est un peu à l'arrêt ici. On l'avait vu ici, je crois, je ne sais plus. Oui, il y a du silence. Il y a quelque chose qui, en l'état actuel, ne vous convient pas. Vous avez besoin d'y voir clair. Ici, avec le livre, on a besoin de communiquer. On a besoin d'y voir clair, quitte à couper s'il le faut ou euh, à avancer ensemble. Il y a vraiment un truc euh, de cet ordre-là. Hein. Euh, alors, vous voyez si ça vous parle, mais pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas complètement frangeux avec vous euh, dans le travail ou en amour et euh, si toutefois c'est vous qui ne l'êtes pas, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi agissez-vous comme ça Pourquoi avez-vous peur peut-être de l'engagement Pourquoi avez-vous peur que peut-être si vous ne réagissez pas, si vous ne faites pas les choses honnêtement, la personne peut-être risque de partir ou, ou, ou vous risquez peut-être de voir tout ça s'échapper Vous avez besoin d'être rassuré vous aussi. Hein? Ben, soyez plus honnête. Donc là, on a. La voix intérieure, donc cette fameuse intuition dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui peut parler aussi du fait de ne pas parler. Alors, là, ce que la carte me dit, parce que je demande des conseils, alors fiez-vous à votre intuition, bien entendu. Et dans votre intuition, pour ceux à qui ça va parler, parce que là, il y a un message très clair, qui est que certains ont vraiment les messages au niveau du ressenti corporel. Soyez à l'écoute de ce que vous dit votre corps. Vous êtes en train aussi d'appréhender ces choses-là. C'est peut-être la raison pour laquelle on vous met une situation qui est un petit peu euh, alambiquée. C'est pour vous obliger d'une certaine manière. À, à venir vous tester dans vos ressentis dans votre intuition euh, parce qu'il y a ces choses-là chez vous qui sont vraiment en train de s'éveiller et qui sont importantes donc on vous dit euh, c'est important de d'y prendre d'y prêter attention et, et d'y accorder du crédit hein. ça vous est présenté en ce moment vraiment hein. Ouais, choix à faire. Euh, alors ça, c'est trois arcanes majeurs. Choix à faire. Il y a des choses à bouger qui vous vont vous permettre de voir les choses différemment. Donc go, on y va. On est en train de péter la gueule à des blocages. Il faut vous laisser aller à vraiment faire cette investigation pour voir vraiment ce qui se trame au bout de tout ça. Vraiment les Sagittaires. Je vous invite à, à allez voir à la fin de la playlist, il y a, euh, enfin, à la fin de la vidéo, il y a les playlists avec les autres signes. vous pouvez aller peut-être euh, cheminer par là pour voir s'il y a d'autres détails. Euh, sinon, vous avez tout sous la vidéo, me concernant comme d'habitude, pour les séances privées. je vous embrasse bien fort. merci pour vos abonnements, les likes, les partages. tout ça, c'est vraiment super chouette pour moi. merci beaucoup. bonne euh, enfin, bon mois à vous.